Bon, aujourd'hui c'est un peu particulier, on va faire une vidéo en plusieurs parties sur la récupération, ce qui vaut le coup, ce qui vaut pas le coup. Donc on va se baser sur une caisse à bordel, celle-là en l'occurrence, là, une boîte à godasses pleine. On va critiquer un petit peu les plaquettes. Je ferai la même chose tout à l'heure avec les boîtiers et éventuellement quelques autres considérations à prendre en compte. Alors, voyons. Cette vieille plaquette, on ne sait pas à quoi elle a servi. Donc il y a très peu de chances de réussir à la réutiliser telle que. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des condensateurs avec un form factor qui se fait de moins en moins, mais qui peut être très pratique. Les quelques transistors là ont l'air d'être standard, il y a un petit tantale ici. Donc clairement, ça vaut le coup d'être gardé. Hop là, un gros morceau. Un transphotorique, en général de très très bonne qualité. Tout un tas de capacités de régulation. Bon, les selles, ça se récupère pas parce qu'on n'a jamais les vraies caractéristiques. Régulation, par contre, ça peut péter, donc ça peut être intéressant d'en avoir. Les diodes de puissance et les MOSFET de puissance, pareil. Et encore de tantale ici. Toute une ligne ici de potards. Un pont de diode, bon, ça crame jamais, mais c'est bien d'en avoir quelques-uns. Parce qu'ils ont tellement de form factors différents, ces machins-là, qu'on n'a jamais le bon. Donc là, par exemple, le AC est au milieu. Ça peut être intéressant d'en avoir un de ce format-là. Garder une prise avec son bloc de filtrage tout prêt en interne. Ça évite de se le construire. Donc là, ça c'est bien à récupérer, ça. Une alim comme ça, là, toute complète, ça vaut le coup de la garder. Et si elle marche, on la réutilise directement, si on a les bonnes tensions de sortie. Et si elle marche pas, elle fait du spare parts. Le deuxième avantage des toriques, c'est aussi qu'ils prennent beaucoup moins de place. Ce qui est intéressant d'un point de vue stockage des pièces. Ça, je sais pas trop ce que c'était. Parce que vu qu'il y a un piezo, j'imagine que c'était une alarme du style détecteur de fumée ou autre chose. Alors là-dessus, il y a quoi? Ben, concrètement, il n'y a pas grand-chose. Peut-être cette puce-là. Les deux résistances demi-watt ou peut-être même 1 watt à la limite. Mais bon. Faudrait s'assurer quand même que ce soit pas des résistances fusibles. Le condo là n'a même pas l'air d'être un X1 ou quoi que ce soit. Donc pas sûr que ça vaille le coup de le garder. Donc ça c'est un peu de la merde par contre, en termes de récupération. Donc ça vient d'une vieille souris optique. Ils en ont fait chez Sun et chez SGI, sur ce format-là, avec ces mêmes puces transparentes là. Qui, avec 2 billes en plastique ici et ici, viennent refléter les signaux émis par les 2 diodes infrarouges là vers les capteurs optiques ici et ici. Donc il y en a un pour X, un pour Y. Le circuit ici est un spécialisé, donc ça n'a aucun intérêt. Là, il y a une simple capacité, 3 pauvres boutons. Un pauvre connecteur, il n'y a rien d'intéressant sur cette platine. Ça aussi, c'est de la merde, concrètement. Ça pas forcément gardé. Concrètement, je l'ai gardé parce que comme ça me fait 4 circuits transparents de ce modèle-là, que je garde uniquement pour leur look, en fait. C'est purement pour ça. Donc là, une grande carte qui a l'air très peuplée comme ça, qui a l'air intéressante, mais en réalité, il y a quoi d'intéressant? Ben, pas grand-chose. Il y a des bobines, comment dire, certifiées en valeur. Il y a 3 pauvres transistors là, qui se battent en duel un peu partout. Quelques quimpas. Le seul véritable intérêt, il est là en fait, c'est ces relais-là.
Ils sont quand même pas mal. Ils ont plusieurs contacts. Et l'intérêt, il est essentiellement là. Donc les bobines calibrées, les transistors, les capas et les relais, c'est tout. Donc ça peut valoir le coup d'être gardé quand même. Ça, c'est un vieux kit horloge et date. Alors, il y a tout un tas de trucs, de transistors, mais c'est des standards. Ils apportent rien de spéciaux. Par contre, les affichages comme ça qui coûtent relativement cher, ça vaut vraiment le coup de garder rien que pour les afficheurs. Mais après, c'est que du composant standard, le reste n'est pas forcément pertinent à garder. Alors voilà, ça c'est typique d'une plaque Lactis, donc certainement un contrôleur quelconque informatique, peut-être un lecteur de disque ou de bande de sauvegarde ou quelque chose comme ça. Alors le truc là, c'est que j'ai déjà utilisé énormément cette carte comme donneuse, parce qu'elle avait des capacités ici, il y avait un élément de puissance là-haut, il y avait une grosse diode ici, là que j'ai récupérée, je m'en suis servi. Ici, je me rappelle plus ce que c'était. Là, c'était un connecteur. Là, il y avait quatre petits relais. Et sur un de mes projets, j'ai eu besoin de quatre relais identiques, donc je les ai pris là. Et concrètement, ce qui reste là-dessus, bah, ça n'a aucun intérêt. Y a tout un tas de comparateurs et d'amplis là. Il y a des régulateurs dedans aussi. Mais comme les valeurs ont été plus ou moins grattées, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc du coup, bah, celle-ci, ça sert à rien de la garder. Hop, faire un peu de place. Hop, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à bidouille là qui serait sympa encore à voir. Donc ça, c'est un vieux projet. J'avais déjà monté sur des supports adaptateurs des circuits CMS. Bon, ça c'est un 555, donc ça n'a aucun intérêt de le garder parce que j'en ai des tas. Ça, je sais plus, je crois que c'est un compteur ou un truc comme ça. Ou un comparateur multiple. Donc il y a au moins cette platine à récupérer quand même. Ça, c'était une alim, manifestement. Par contre, j'ai l'impression d'avoir pris tout ce qui est intéressant dessus. Donc ça, on va pas le garder. Pom-pom. Là, il y a un circuit sur support, donc on va garder, ça se récupère. Ça, c'était des supports. Oui, bon, il reste un afficheur à récupérer quand même. Et puis ce petit câble, évidemment, qui a sa prise bec, je crois. Donc on va le garder le temps de récupérer l'afficheur. Ça devait être très certainement une adaptation quelconque. Soit de puissance, soit de tension. Tension, manifestement. Donc le radiateur, régulateur, le MOS et la capa, donc tout ça se récupère. Bon, la LED, ça pourrait se récupérer, mais j'en ai des tonnes. Un lot de 100 diodes, ça vaut. Enfin, de 100 LED, ça vaut dans les 2 euros, un truc comme ça. Donc, faire de la récup pour les LED, aucun intérêt. Ah, typique, pareil, une très très vieille carte, on ne sait même pas d'où elle sort. Le seul intérêt, c'est qu'il y a des boîtiers métalliques comme ça pour des transistors. Et l'avantage de ces boîtiers métalliques là, c'est qu'éventuellement ils peuvent faire un pont thermique entre eux. Et éventuellement, dans certains montages un petit peu anciens, il en reste encore. Et pour faire de la réparation et de la bidouille, ça peut être sympa d'en avoir. Ces deux-là ont l'air plutôt standard. Bon, les trucs comme ça, faut pas les garder parce qu'ils vieillissent pas bien. Et le reste, c'est que de la résistance quasiment. Les capas qui ont des décorations comme ça pour donner leur valeur sous la forme d'un coloris de poisson exotique, c'est pareil, ça se garde pas. Ils ont tendance à mal vieillir et à dériver pas mal. Bon, ensuite, les vieux projets perso, donc ça c'est à garder. Ne serait-ce que parce qu'il reste de la place sur les plaquettes de toute façon. Et puis il y a toujours des composants qu'on a utilisés, donc qui sont encore utilisables.
Là, par contre, j'ai tout réutilisé manifestement. S'il en reste un sur support, là, donc ça vaut le coup de le ressortir. Alors, il ne reste plus grand-chose. Donc là, il y a un gros relais, donc ça se garde. Hop, ça se garde pas, je le montre même pas, ça non plus. Ça non plus. Alors celle-ci, il y a tout un tas de diodes et de résistances de précision. Les transistors, là, sont tous les mêmes, il faudra que je vérifie la référence, mais bon. Ça fait quand même toute une rangée de la même valeur, donc ça c'est intéressant à garder. Est-ce qu'il reste encore quelque chose? Ça non. Ça non plus. Recyclage direct. Recyclage direct. Recyclage direct. Bon, je crois qu'on a fait le tour des trucs intéressants. Ah si, là il y avait un petit adaptateur pour faire d'une tension unique en négatif-positif, j'imagine. Ouais. Donc les deux régulateurs avec les radiateurs, ça vaut le coup de les garder, bien sûr. Ça c'était quoi? Je sais même plus. Ah oui, c'était destiné à tester un afficheur de façade, il me semble. Mais bon, il y a quand même une grosse puce intéressante à garder là. Ça c'est recyclage direct. Et ben, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui est intéressant, de tous les exemples intéressants. Je fouille encore un petit peu histoire de pas louper quelque chose à montrer qui serait intéressant. Ah bah si, tiens, voilà. La fameuse vieille station météo, il y a quand même tout cet écran-là à garder. Comme ils ont un câblage standard, on peut le réutiliser avec de l'ESP32, de l'Arduino, du Raspberry Pi, n'importe quoi, on s'en fout. Le petit module buck, je crois, celui-ci. Oui, je crois que c'était du buck. Et t'as récupéré le capteur température éventuellement, mais bon, ça, il est pas. Ces modèles-là sont pas super précis, donc c'est peut-être pas trop nécessaire de récupérer, mais je vais quand même le garder. Là-dessus, il n'y a plus rien à récupérer, puisque ce qui était intéressant, c'était le XR 2206, je crois, la référence, je ne me rappelle plus trop, qui est une puce spécialisée dans le générateur de signaux, en fait. Donc ça, c'est recyclage. Et je crois qu'on a fini, hein, franchement. Bon, on va passer au boîtier alors. Alors, les boîtiers. Les boîtiers, évidemment, servent à mettre des projets dedans. Et typiquement, tous les boîtiers qui sont faciles à démonter, qui ont des façades pas trop bizarres, qui sont donc retravaillables. Là, par exemple, il y a même déjà un trou de fait. La face arrière, il y a des trous qui sont faits pour des connecteurs Canon, mais bon, on s'en fout. On peut toujours la réutiliser, voire la remplacer par une feuille de plastique si besoin. Ça, c'est le genre de boîtier qu'il faut garder. Très utile. Même chose ici, c'est la même famille de boîtiers à la base. Quand on a des projets un peu gros, ça vaut le coup de garder ça. Hop. Encore un exemple ici avec celui-ci. Après, pour du tout venant, des projets beaucoup plus petits, mais qui sont quand même qui valent le coup d'être gardés, ce genre de choses-là, très pratiques, qui s'usinent parfaitement bien, c'est de la feuille plastique déjà d'origine. Ça, c'est vraiment nickel. À la limite, on peut se rabattre sur ce genre de choses-là. Soit en neuf, bon, je vous le déconseille parce que ça coûte super cher, soit l'idéal en récup, hein. Ça, c'est vraiment super parce qu'on peut faire passer des fils dans plein de directions différentes, des entrées-sorties, même des potards éventuellement. Hyper pratique. Et pareil, c'est du plastique qui se travaille bien, même avec une simple Dremel ou des choses comme ça. Dans le même esprit, alors c'est le même style de plastique, mais c'est une boîte en forme rectangulaire. Alors ça existe en étanche ou pas étanche. Et l'intérêt là, c'est qu'on peut mettre plusieurs projets. Puisqu'on peut enficher les PCB le long de ces rails là. Donc si on se met par exemple dans les tranches comme ceci, on peut quand même en mettre 5. Ou sur la longueur complète ici on peut en mettre 3. Et on peut mixer, c'est-à-dire faire
deux comme ceci, un comme celui-là, un dans ce sens-là. Bref, les possibilités sont assez infinies. Et après, on peut réduire les tailles. On a encore des boîtiers beaucoup plus petits, comme celui-ci. Et si on veut réduire encore, on peut prendre une vieille boîte de Médoc. Là, on peut mettre un PCB sur toute la longueur, une diode témoin ici, un potard ici, par exemple, et faire sortir les fils sur le côté, avec des connecteurs. Ou mettre les connecteurs ici, mettre les LED témoins et interrupteurs le long de la coque du boîtier. Il faut faire attention parce que c'est moins facile de travailler comme ça, je trouve. Ou si on veut faire un simple adaptateur, rentrer du câble ici, le PCB avec l'adaptateur dans le tube, et la sortie de l'autre côté. Ça, c'est impeccable aussi. Et enfin, si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur des boîtiers comme cela. Vais plutôt montrer la tranche, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont des rails qui permettent de les enficher comme ça, les uns au-dessus des autres, dans un châssis. Alors, soit on a le châssis, soit on imprime en 3D deux côtés de châssis pour prendre en compte les petits rails comme ça et pouvoir les enficher les uns au-dessus des autres, les projets. Ou à l'horizontale, hein, pareil. Alors ça, typiquement, ça venait d'une bête disque dure, concrètement. Donc ça, c'est très très intéressant. Voilà, donc dans les trucs recyclables, c'est à peu près tout ce que j'ai là comme exemple sous la main. Mais ça évite beaucoup beaucoup d'achats inutiles. Et comme je disais pour les composants, faut un petit peu faire bosser son imagination. Et puis sur la troisième partie de vidéo, je vais donner une petite astuce très bête, mais très rigolote et qui surtout est pratique. Voilà, et enfin pour la troisième et dernière partie de cette vidéo, l'astuce c'est de garder pour les mêmes valeurs de composants plusieurs modèles du même composant. Des boîtiers très longs, des boîtiers qui sont plutôt sur la hauteur, des boîtiers de différentes marques pour avoir différentes couleurs. Là par exemple j'ai un jaune pétant, il y a du brun, il y a du bleu, il y a du noir, et pourtant c'est les mêmes composants. Donc ça peut être aussi amusant dans le sens défi du terme, d'essayer sur un projet unique de mettre une couleur unique. Ou au contraire, par fonction, mettre les composants liés à l'alimentation plus dans des tons bleus. Les trucs qui sont plus pour gérer la sortie plus vers du marron par exemple. Et les composants qui font du traitement plus dans des couleurs jaunes. Ça peut être amusant à faire comme défi. Mais surtout, l'intérêt de ça, il n'est pas tellement là. Il n'est pas dans l'esthétique. L'intérêt, il est surtout que d'avoir plein de form factors différents, ça permet, justement, comme on fait de la récup pour les boîtiers, de pouvoir toujours avoir le composant adapté. Par exemple, celui qui est tout long, là, il est évident qu'on ne va pas le brancher à la verticale. À l'inverse, dans un boîtier qui est très haut et très peu large, il peut être intéressant de le mettre à la verticale. Dans le même esprit, si j'ai un boîtier où j'ai beaucoup d'intérêt à le mettre à l'horizontale, je vais plutôt mettre une capa comme celle-ci qui a les pattes d'un côté et de l'autre. A l'inverse, si j'ai une plaquette où j'ai de la place, ben je peux très bien choisir le jaune là qui est très gros. Ou si au contraire je veux faire un boîtier absolument très très plat, je vais plutôt prendre celui-ci là qui est soudable en surface. Le vrai intérêt il est là. Le vrai intérêt c'est d'avoir du choix. C'est pour ça que toutes les plaques de récup et ainsi de suite qu'on peut garder, se faire un petit minimum de, je sais pas moi, 3 ou 4 boîtes à chaussures petit à petit. Concrètement c'est très très bien. On n'est pas obligé de les démonter à l'avance comme moi je fais, hein. Mais si on garde des plaquettes en avance, 3-4 boîtes à chaussures maximum pour ne pas prendre trop de place, ça va très très rapidement se remplir, ça va donner du choix. Et parce qu'on a du choix, on pourra avoir du choix de valeur déjà d'une part,
mais aussi et surtout de form factor, et ça c'est très important. Surtout quand on est confronté à la problématique d'économie et ou d'écologie pour certains, et qu'on veut donc faire beaucoup beaucoup de récup, et beaucoup beaucoup de récup de boîtiers aussi. Moi je trouve que cette astuce-là est très bien, ça commence à... Maintenant que j'ai du stock, ça... Très clairement, ça me permet de faire beaucoup de choses. Je n'ai plus de problème de taille, je n'ai plus de problème de coloris, je n'ai plus de problème de valeur non plus, ou quasiment pas. Et enfin, là, ce que je fais quand j'ai besoin d'une valeur, bah, j'achète un lot de 10 composants de la même valeur. Comme ça me fait pas cher du tout et ça me permet de remplir mon stock en avance petit à petit. Et du coup, j'ai à peu près tout ce dont j'ai besoin. Allez, ciao!